Oh putain, ça donne envie de saigner des oreilles en voyant cet écran titre. Bref, sur ce, bonjour à tous, c'est Monsieur Manet 02. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on est ici pour le défi troll numéro 70. Et comme vous avez vu un peu le titre, ça sera sur Cendrillon, Magical Dream, rêve magique, comme on dit si bien en français. C'est un jeu de plateforme développé par DC Studio et édité par Disney Interactive et qui est sorti sur Game Boy Advance en 2005. Et d'après ce que j'ai vu, ça a l'air d'être un jeu bien pourri, d'après ce que j'ai vu. Mais donc, va falloir bien y jouer parce que là, l'objectif du défi que je vais devoir réaliser, ce sera de réussir à finir les deux premiers niveaux de ce jeu qui pue, de ce jeu de merde. Le tout sans avoir de game over. Donc on va commencer une nouvelle partie. Et on va attaquer ce niveau ici. Parce que vu que j'avais fait un test récemment pour pouvoir faire un... comment ça fonctionne. Donc c'était juste pour voir un peu l'étendue du capture. Donc là on a cinématique là qui nous montre là. Qui reprend directement issu de l'animé de base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas perdre de temps, on va les passer parce qu'on en a rien à foutre. Parce que pour ceux qui connaissent l'animé original, le long métrage, c'est bien mieux fait en vrai qu'en jeu vidéo, comme je le dis si bien. Et donc là, comme on commence, comme on voit, c'est moche. Alors déjà, on peut déjà voir que dans le jeu, on peut remarquer déjà les gros défauts. C'est que déjà, au niveau graphisme, évidemment, pour la GBA, c'est pas tip-top, comme on l'avait vu. Les musiques, ça nous fait agresser le cerveau, comme bon nous semble. Et aussi, surtout, comme vous l'avez vu dans le jeu, c'est que des fois, tout est con, en fait. Surtout le bestiaire. Genre, comme vous l'avez vu, les ennemis du jeu que l'on va devoir essayer de sauter comme ça, je me suis pris un dégât, merci. Monsieur le poulet de merde, parce que oui, les poules sont méchants dans le jeu, ainsi qu'évidemment les petites biquettes que j'ai vues. Et puis, plein d'autres ennemis, que vous verrez au fur et à mesure du jeu. Mais c'est totalement débile, de se faire déjà tuer par un poulet, Et aussi par une petite chef comme ça, c'est un peu du n'importe quoi. Et déjà qu'en plus, évidemment, tellement vu que c'est un jeu de troll, évidemment, il y a des problèmes, évidemment, d'espace où on se prend des dégâts, je sais même plus quoi dire, Genre là, je saute, là, j'arrive à esquiver, là, je saute. Ouais, là, ça marche. Mais des fois, comme vous l'avez vu, là, j'ai pourtant sauté de la même manière sur l'ennemi, je me suis pris des dégâts. Donc déjà, il y a un problème niveau... dans ce problème-là, quand on se prend des dégâts, Niveau gestion, de portée des dégâts, la collision, déjà, il n'y en a pas dans ce jeu. Enfin, il y en a un petit peu, mais... C'est étendu, Genre, par exemple, on est du genre à toucher l'ennemi, mais... en fait, on se le bouffe en même. Non, en fait, il suffit qu'on se bouffe pas l'ennemi, on se le bouffe quand même. Et genre aussi, là, je peux même pas passer par-dessus cette touffe d'herbe. Donc déjà, c'est vraiment un peu chiant. Hop. Tac, on avance. Et surtout, le truc dans ce jeu, c'est que... on se met fait grave chier, mais vraiment. Mais grave chier. Parce qu'en fait, les missions qu'on accomplit, pour ce moment, c'est que le premier niveau avec Cendrillon, évidemment, c'est toujours la même chose, On va dans un lieu, comme vous avez vu, il faut qu'on aille donner à bouffer au cheval, cette fois-ci, il faut qu'on arrose des plantes. C'est l'ennui total. Mais clairement. Là, j'arrose cette plante, t'es contente. Allez hop, on esquive tout ça. Putain, et en plus,
L'épouvantail, le pire, c'est que je le touche, il bouge pas, et là, il trouve le moyen de me toucher. Là, il y a un problème. Par contre, c'est quoi? On peut m'expliquer le bordel, là, hein? Je suis en train de carrément de sauter par-dessus le rocher, mais non, hein, c'est plus drôle de mettre un mur invisible pour dire, nous, on est programmé pour que tu fasses tout le tour, hein. Non, mais fuck vous, quoi, les développeurs, quoi, sans déconner. Et par contre, j'en ai marre de me faire bouffer par des connards de lapins, quoi. Oh là 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 là, bordel de merde. Bon, de toute façon, ce jeu-là, il n'y a pas à dire. Ce jeu, c'est l'ennui total. C'est l'ennui absolu. Ne serait-ce déjà que... En même temps, c'est un jeu pour filles, hein. Et encore, je vous rassure, je n'ai rien contre les filles, hein. Je tiens à vous rassurer. Mais je sais pas, hein, vous auriez pu faire des jeux bien plus intéressants que ça, hein, sans déconner. Parce que je sais pas, hein, putain, mais vas-y, je me suis fait tuer par un lapin. Sans déconner. Je me suis fait tuer par un lapin. What the fuck, j'ai envie de dire. Sérieusement, c'est un what the fuck, quoi. Les lapins, c'est censé être tout mignon, tout gentil, hein, on leur fait des câlins et tout. Mais non, en fait, dans le jeu, c'est simple, c'est fuck you, bitch, et puis voilà, dégage. Ah là là là. C'est drôle de voir, franchement, des dessins animés, voire même des longs-métrages animés que on a apprécié quand on était gosse, se faire massacrer en jeu vidéo. Mais bon, hein, vous savez qu'avec moi, hein, vous avez l'habitude de voir ça. Bon, ce serait bien, c'est que j'évite de faire toujours les mêmes choses, parce que je me fais grave chier, là. Hein. Force d'arroser les plantes, hein, récupérer des fleurs. Déjà, en plus, les fleurs, les espèces de roses, déjà, qui sont pas roses de base, ils sont bleus. Je sais vraiment pas à quoi ça peut servir. C'est vrai, pour information, je ne connais pas du tout le jeu, là. Je le découvre en pur blind, là, en ce moment. Donc, je ne connais absolument rien. J'ai juste lu des infos en disant que ce jeu, était mal noté. Voilà. Et pour l'instant, ça confirme un petit peu ce que je dis, là. On va attendre l'épouvantail, parce que sinon il va me troller, cet enfoiré. Déjà que les taupes, déjà, ils me trollent déjà assez. Ah, oh, putain, et déjà, casse-toi le lapin, j'en ai marre de te bouffer, hein. J'ai pas envie de manger un civet de lapin, parce que Cendrillon est allergique. Elle est allergique à tout ce qui est lapin. Et en plus, ce qui est dommage dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas d'option pour... pour attaquer, quoi. Je sais pas, pourtant, j'ai bien essayé d'appuyer, j'appuie pourtant sur certains boutons, mais non, ça veut pas. Ça a la flemme. Voilà. Et là, maintenant, faut ramasser des pommes. Youpi! C'est tellement passionnant. Oh là 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 là, putain. Qu'est-ce qu'on se fait chier dans ce jeu, quoi. Bon. Allez, faut attendre que les pommes tombent pour tous les ramasser. Et c'est con, c'est que je peux pas sauter par ici. C'est normal, parce que c'est drôle. Oh là là là. Allez, ramasse-la. Voilà. Faire gaffe à René, hein, parce qu'il est dans le coin. Hop là. Voilà, allez, la dernière pomme ici. Hier. Yeah. Allez, maintenant, on se casse ici. De ce passage totalement relou avec cette connasse de taupe qui nous sodomise la gueule parce qu'il aime pas les blondasses. Et je vous rassure, je n'ai rien contre les blondes, c'est juste que j'en veux à Cendrillon parce qu'elle est conne. Voilà. Alors, on continue et on va refaire la même chose. Voilà. C'est ça vraiment le défaut du jeu. C'est que, comme je vous l'ai dit, on se fait, mais vraiment chier, quoi, sérieux. Les missions que l'on fait dans les niveaux, mais c'est tellement du recyclage, mais carrément. C'est du recyclage à l'état pur.
On fait toujours la même chose, hein. C'est juste que on change l'objectif, c'est tout. Au lieu que vous ramassez, au lieu de ramasser des pommes, bah du coup, bah à la place, tu vas aller nourrir le cheval, tu vas aller arroser les plantes, voilà. Mais sinon, au niveau de l'objectif, c'est carrément la même chose, quoi. Faut que tu ailles ramasser des items pour pouvoir ouvrir une porte, pour pouvoir avancer. C'est exactement la même chose. Y a rien qui change. Ah là là, putain. Tac. Ah, et aussi, il y a des fois des baisses de framerate dans le jeu. Normal, parce que c'est drôle, hein. C'est un jeu troll, hein, faut pas les coder, hein. Les développeurs, ils avaient la flemme de faire un jeu bah, qui était bien codé, hein. Allez hop, on ramasse tout, en faisant gaffe au René, qui n'arrête pas de me toucher, et ça me fait chier. Vas-y, je le touche là. Oh fuck you, pomme de merde. Tac, j'ai récupéré de la vie, enfin une vie supplémentaire, ça doit être ça. De toute façon, à mon avis, putain, mais René, casse-toi. Mais cassons-nous avant que René nous nique. Putain. Je peux même pas repasser par là. Je fasse le tour en attendant que Monsieur René se casse. Parce qu'ils sont chiants. Déjà que j'ai plus qu'une vie, j'ai pas intérêt à me faire toucher. Sinon, bah je l'ai dans le cul. Tiens, un message secret. Oh, bah va te faire enculer. Vous voulez me buter alors que j'étais vers la fin. En plus, faut que je rebrousse tout le chemin. Merci, bande de connards. Oh là là, tout pour me faire chier, quoi. Allez, cours. Dommage que tu peux pas accélérer. Ce qui est bien dommage. Et surtout, putain, cette musique, quoi, qui te fait saigner des oreilles. Oh là 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 là. J'ai jamais entendu une musique aussi dégueulasse, quoi. Et pourtant, j'en ai connu. Bon, en tout cas, on a fini ce niveau. Donc là, ça y est, elle est contente, faut qu'elle aille préparer la souplette à ses belles sœurs et puis sa tante, hein, normal, pendant que les animaux, bah, les oiseaux et les souris vont préparer sa robe pour ce soir. Et donc, du coup, bah, faut scoltiner cette fois-ci pour le deuxième niveau, Jack et Gus. Putain, oh, et aussi, déjà, quand on peut remarquer le truc, c'est que déjà, les animations, il n'y a même pas d'animation quand on saute et puis quand on tombe, quoi. Alors déjà, là, c'est déjà un gros point noir du jeu, quoi. Parce que sans déconner... Ok, là, je suis tombé, là. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est la suite du niveau? Je pense que oui, hein. Hop. Putain, et en plus, déjà, niveau... Ce qui est chiant, c'est que pourtant j'étais bien éloigné de l'ennemi, mais je me bouffe quand même les dégâts. Oh là là. Va faire gaffe là, parce que là il y a des pièges à souris là. Tac, dépêchons, on récupère du fromage, parce que le fromage c'est important pour récupérer de la vie. Faut descendre dans le trou. Voilà. Par contre, les temps de chargement sont un peu longs. Bon là. Faire attention là, parce que là il y a Monsieur Lucifer qui va nous casser les couilles. Attends, c'est un peu son but, hein, de nous faire chier, hein. Allez hop hop hop. Allez, on fonce. On perd pas de temps. Putain, et en plus il y a quelques saccades dans le jeu, c'est horrible. On esquive bien les araignées. On fonce. Non, je vais pas récupérer le fromage parce qu'il est trop proche d'un ennemi. Putain, j'y vais quand même de manière YOLO, c'est hallucinant. Tu mourras pour Lucifer, ça je te le dis. Allez hop. Et du coup, bah on a fait le deuxième niveau qui était juste là. Ouais, parce qu'en fait, c'est simple, quand on finit un niveau, il nous dit une cinématique, comme ça. Je veux dire que c'était rapide, hein. Bon bah, en tout cas, j'ai envie de dire que bah le défi troll, bah il réussit, hein. Voilà. Rien de compliqué.
Bon, on va pas s'arrêter là-dessus, je vais quand même vous montrer un petit peu, quand même un peu la suite, hein. Parce que, voilà, je vais juste finir allez, le niveau qui est là, et puis je pense que, bah, après, on s'arrêtera là-dessus. Juste pour voir un petit peu ce qu'il y a sur la suite du niveau, ouais. Ah, par contre, ce qui est drôle, c'est que au moins, les niveaux... Je vais pas vous le mentir. Il y a un truc positif dans ce jeu. Enfin, c'est à peu près la seule. C'est qu'au moins, les niveaux avec Gus et Jack sont très rapides, quoi. Là, tu les finis à la vitesse de l'éclair. En même temps, c'est juste de la phase de plateforme. De trucs basiques. Mais au moins, ça fonctionne, quoi. C'est pas comme Cendrillon, parce que c'est vrai qu'avec Cendrillon, putain, on se fait, mais carrément chier à toujours faire les mêmes missions. Bon, là, c'est ça, de toute façon, là, avec Jack et Gus, c'est en mode speedrun. Putain, et par contre, on peut m'expliquer pourquoi t'as pas sauté? Hein? C'est quoi, au juste, ce bug? Ouais, j'ai bien sauté. Voilà, on s'en fout, ce sont des dégâts. Mais bon, on saute très haut. Parce qu'on sait sauter. Allez, bon, moi je m'en fous, je passe de force, hein. De toute façon, dans tous les cas, vu que j'ai réussi le défi, hein, donc voilà. Allez, on pousse ça. Ah merde, on peut pas sauter là. Merci les développeurs. Vous avez bien pensé à ça. Pour pas qu'on se le prend. Hop, hop, hop. On se dépêche, on accélère. Tac. Et là, on ressort de l'autre côté. Et là, regarde, Gus, regarde. On a trouvé les perles. Les perles de Cendrillon. Sauf que malheureusement, on va devoir affronter un boss. Hein, on va devoir affronter Lucifer. Et qui me fout les coups de queue dans ma gueule. Tiens, allez, bouffe. Bouffe dans ta gueule. Bouffe. Putain, c'est passionnant comme combat, putain. Eh ben, dis donc. Il était rien compliqué que ce boss. Non, mais franchement, quoi. Même le boss, il fait pitié, quoi, sans déconner. J'ai eu le temps de récolter bah, suffisamment de boutons et tout. Et donc, bah voilà, j'ai réussi à le buter, quoi. Non, mais franchement, sans déconner. C'est vraiment, vraiment pas terrible. Bon, bref. Je pense que là, j'ai assez souffert pour aujourd'hui, hein. Et je suis sûr que vous aussi, hein. Bon. On va s'achever là-dessus, hein. Parce que, bon, je vous ai tout montré. En tout cas, j'espère que pour vous, bah, ce défi troll, bah, vous aura plu. Et que vous n'êtes pas devenu zinzin avec ce jeu auquel vous n'êtes pas endormi, surtout. C'est surtout ça. Et donc, bah, si ça vous a plu, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas bah, à le faire savoir et à le faire partager aux autres, comme d'habitude. Et puis, bah, si vous avez bah, d'autres défis trolls bah, à me proposer, eh bah, n'hésitez pas, vous pouvez me laisser un commentaire dans cette vidéo, ou bien réagissez sur... ou bien me dites-le-moi sur Twitter et tout, les réseaux sociaux, et puis voilà. Et puis enfin, bah, abonnez-vous à ma chaîne, et puis... pour suivre d'autres vidéos, ou bien encore réagir via les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, DeviantArt, Steam et tout le bazar. Et donc, comme d'habitude, de toute façon, vous avez les liens des réseaux sociaux dans la description de la vidéo. Voilà. Bon. C'est avec notre marraine, la bonne fée, qui est tellement mal fait et qui nous balance des rayons magiques tellement mal fait. Que c'est avec ça que je vous dis à tous à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut à tous, ciao, bye bye.